Alors, comme tu le sais, je suis fan de ton œuvre et je viens de reprendre une de tes chansons. Et en faisant mes recherches, j'ai constaté que tu avais fait 325 représentations par an. Et ça pendant 11 ans. C'est énorme. Alors, je suppose que tu as fait la France, la Navarre et tout. Et tu connais Dijon. Bien évidemment. Alors, j'ai une question à te poser. Voilà, je cherche l'endroit où est né le banc bourguignon. Alors apparemment, c'est dans les quartiers de Montchapet, dans le bas de Talent. Et le talent, ça te connaît? Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose et qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel, les trois faisants, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montsalon, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire. Bonsoir Marie Arouet, dit Voltaire, est un écrivain et philosophe anticlérical, mais déiste. Une figure majeure de la philosophie des Lumières. Son influence a été très importante pour les fortunés libéraux. Au temps de la Révolution. Je pouffe. Car c'est une notion que le peuple
a du mal à saisir le libéralisme. Enfin, après 25 ans d'absence, il revient à Paris pour y mourir le 30 mai 1778. À la santé de Voltaire! Et Pierre de Casanova. Oui, Casanova n'était pas qu'un coureur de jupons comme on le pense. Non, il aimait ses conquêtes. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Et moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes têtes-culs montrent leur derrière. En nous chantant, les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, et plus ça devient bête, monsieur le commissaire. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, et plus ça devient... Je n'aime faire que ça.